Bonsoir, bonsoir valeureux abonnés de Guinée de Musique. Ça fait plaisir de me retrouver sur cette plateforme digitale d'information culturelle qui fait d'ailleurs la musique, qui fait plutôt la promotion de la musique guinéenne à travers le net. Et vous êtes dans votre émission Le Projecteur, cette émission-là qui met plus de lumière sur tout ce qui est musicalité en Guinée. Ce soir, l'artiste que nous recevons est une nouvelle voix de la musique mandingue. Elle nous vient de Banyan. C'est Tenin Diawara pour vous dans un instant. Diawara, bonsoir. Et à Banyan. Oui, ça va, ça va. Banyan Kego. C'est là, il y a un Banyan, Banyan Kego. Il y a une nouvelle Naïra. Oui, il y a une nouvelle Naïra. Il a fait tout par les filles. Il fait très bien, Benek, à Banyan. Non, il bien, c'est une fête là-bas. Mais tu n'es pas né à Banyan. Oui. Banyan, tout le temps, c'est sur tes lèvres, pourquoi? Parce qu'il m'a emmené. Oui, Banyan. Moi, je l'ai à la Kinaré. Ça fait tout, fait. Moi, c'est un sac concert à ma Ok. Dit bien là que le coronavirus n'a pas Ah, corona, ça gère tout le monde. Il passe au monde, c'est pas facile pour moi. Ok, d'accord. Alors, bienvenue sur Guinée de Musique. Ma question, c'est que nana, est-ce qu'il y a un téléphone, mon dépasse Nava? Non, mon dépasse pour mon téléphone. Non, mon dépasse mon Nava. Mon dépasse mon Nava. Mon dépasse mon téléphone. Ah, quand la question, ça, vous m'en avez. Parce que voilà, ça, c'est qui? Oui, mais mon dépasse mon téléphone. Ça sonne tacle en direct, en live d'Arouette pour vous les abonnés, vous êtes témoins. Mon dépasse mon téléphone. Non, mon téléphone. C'est bien. En tout cas, il m'a dit ça pourtant que toi-même tu n'incarnes pas ce rôle-là. Il n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va gérer ça. Il a la main à faire. Il y a un peu de temps. Il y a un Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Tu es chez toi, fais comme tu veux. Merci beaucoup. Alors, Tenin Diawara, tu es né quand même dans une grande famille de griots. Oui, papa, oui. Maman, griot, oui. Voilà. Et enfin, il y a griot Nera. Oui, depuis 7 ans. Mais est-ce qu'il a toujours enregistré mon cinéma en studio? Parce que griot étant, on sait que mariage, Nara, cérémonie, tout ça, c'est vos espaces de prédilection, ça. Oui. Mais est-ce qu'il a toujours enregistré mon cinéma en studio? Oui, Non mais moi quand tu as parlé de Korossi, ça m'a ramené à l'esprit cet artiste là qui nous a quitté, c'est Maï, qui avait chanté Korossi. Je pensais que c'était juste une reprise de ça. Voilà la famille, vous êtes dans Le Projecteur en compagnie de notre invité Tenin Diawara, une griotte, voilà, une artiste aussi de la musique mandingue. Alors aujourd'hui, comment tu gères ton actualité musicale? Tu es géré par une maison, Maison Naïra Production, Maison Monana. Non, Maison Monana, mais bientôt. Ok. Ah, que le...
artiste, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile, ça c'est clair. Premier album, Maradendi, maintenant autoproduction de la vie. Ok. Maintenant, il y a déjà un album, on a préparé bientôt. On va faire lancer. On va faire un album. D'accord, d'accord. Alors, tu répertoire aujourd'hui, c'est on peut retrouver quoi et quoi après l'album? Ouais, parce que c'est pré-recendé. Alors, genre, Baria. Ah, Guinée, Baria, Mara. Sanki de Kouye Soufi, Mouguinéa. Bébézile, ça fait Mouguinéa. Kaywa, Ramera, Louhi, Mbore, Demara. Namboure, Nekoulo, Atomadie, Afala, Kana. Asiribate, Nana. Ani lolo ala merife tama Sidi patel fora ilara e mulara Sidi patel no mane rame jere de. Donc on a bien un album de Nyokish. Après, femme battante. Guinée n'a courage n'a Guinée n'a rébe. Parce que Guinée a courage n'a rame mon assoumema. Et puis a courage mon n'a mon era e mouna. Mouriora kobrima. Parce que Ali m'a oulifé et t'es bien. Voilà, Ali m'a oulifé et t'es bien. Après, on fait tard à faire la rame parce que Jacques m'a dit il a fait le bateau, il a fait le bateau, il a calculé. Donc, on a fait le bateau, on a fait le bateau, et puis on fait tard. Je suis un album. Mais je suis un parce que je suis un album. Je suis un album. Mais je suis un album. 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 On va parler des griots, le rôle des griots en Afrique. On sait que griots étant, c'est des chants, c'est magnifique, les gens, mais ils ont un mariage. Mais une affine d'artistes modernes aujourd'hui, c'est parfois difficile. Il y en a côté fring associé pour être artiste. Il y en a. Changement, où il y en a migration de, du côté griot vers maintenant cet artiste moderne. Comment ça a été? Voilà. Et puis, je suis venu à la ah oui, on va tout le tirer là. Parce que, Junia, il y a un moment où Singira. Gilia n'a pas de Singira, mais il y a un Gilia qui a fait quoi. Voilà. Tu vas la comprendre. Et pourtant, à la base, on a un tour de forêt. Normalement, on a un tour de forêt, non, faut pas. Parce que Singira il y a et ni moto et le bébé fala a couyeté ni la couyeté fa qui n'est et fala ka kamara ni la kamara fa qui n'est et fala quand la bébé n'est là et n'a pas fala mais il n'est tombé la cérémonie mon regrette ma parce que il quoi bri bamane mais fa moi la femme mais il est na mon aguilera la Guinée OK guilera les sumun na organiser sumun na fini de ko sera fini ça va et pourtant c'est pas normal OK na mon fa maintenant nta na afro samago même pas dire il y a na ma bing bing parce que na ko le to tar na ñu mëna na voilà oui nta mba jere na na ma ambiance là ba ma na lo i bari en rek ki mais bon et mo santo su mu mo ben to concert mo na ma se ma na ban ke nga so ko na ma se ma ne ya to way yeli na na parce que mba rek yeli am mo yele depuis sept ans na ga yeli afro donc mo na bo mo pagay na fi ak pagay mo na bu na si afro samé yeli ya. Mais même à Nassi Diafro, on sent déjà parce que y a des noms qui reviennent tout le temps, que tu, ouais, que tu loues, que tu ouais, chantes. Parce que j'ai pris quand même le soin d'écouter. Parce que Afrobeat, ça, nana n'y a pas fait, il y a des choses, non. Il n'a pas ça, mais il n'y a pas de il y a pas de c'est très important parce qu'il faut garder l'originalité, la tradition et tout. Quoique, aujourd'hui, on ne peut pas être aussi ce pays-là qui vit hors... hors norme, un pays qui est à part les autres, il faut vivre cette mondialisation musicale, mais en gardant toujours l'originalité, ça c'est très important. C'est pour ça que voilà, moi j'ai pris quand même le soin d'écouter Bing Bing, Baria, je suis VIP, on sent déjà cette trace de griot en toi et dans ce que tu fais. Ouais. Alors aujourd'hui, à part la musique, tu mènes d'autres activités ou bien tu ne vis que de la musique? Non, mais bientôt, Inch'Allah. Yeah. Donc, il y a une activité que tu as faite. Oui, il y a une activité que tu as faite. Avant, on a préparé maintenant un projet à la BD. Ok. Yeah. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, tu es le plus souvent affiché derrière un artiste qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Ah oui? Ah. Ouais, c'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est un couple en formation ou c'est déjà formé? Non. Hey. C'est pas un plan formation. Ah! Non, mais c'est pas moi, ça vient pas de moi. Ma question, dame, quel est le temps? Maintenant, tout, on a ça. Non, on comprend pas. Mais bon, point. On va attendre là. Voilà. On attend là. Ah, voilà. On a pas mal après. On a pas mal après. Ok, alors, tout, il y a actualité. Il y a l'album fait falloir déjà, on a fait. Ouais. Il y aura fin, et non, mais suivi des. C'est-à-dire, comment je vais dire ça?
page Mundo Mana, il y a actualité. Non, mais suivi des NRE, à part l'actualité, ce que tu fais dans la musique. Quoi. Ouais, et non, suivi. Parce que Mme Malitou Gabi, c'est la reine de Banya. Voilà, c'est très important. Malitou Gabi, après, je ne suis pas signé. Je ne sais pas si je suis en musique, mais je ne sais pas si je suis en train de faire ma page. Maintenant, ma page est née Rabi, c'est la reine de Banya. La reine de Banya. Donc voilà quoi, voilà les différents canaux de communication sur lesquels vous pouvez suivre l'artiste Tenin Diawara. Vous êtes toujours dans votre émission Le Projecteur en compagnie de notre invité Tenin Diawara. On a l'émission continue toujours. Il y a plein d'artistes qui sont dans ce milieu urbain, mais toi déjà, il y a un album singé là-bas, autoproduction. Les fonds, ça venait de toi. Ça venait de toi. Donc ça, c'est un exemple fort que tu dois passer aussi. Dis-nous comment l'expérience de cet album-là, ça a été. Peut-être, on a fini d'exemple, l'artiste de femme bébé. Courage, Nava. Il y a un rage, toi, ça ramène ma bien famille. Non. Il y a un bébé. C'est normal. Donc, et l'explication est qu'oui, on a compris que étant il a début dans la musique, ça a été facile parce que parents étaient quand Nayati introduit ça. Parce que la plupart des artistes que moi j'interviewe ici, que je tends le micro, il fallait mon MBR à début, ça a été difficile parce que forêt mon nom est assis ça, mais mon nom est assis ça. Début fin à Guinée. La Guinée fait voilà, regarde, quand la Guinée, C'est clair. Ah, tout le temps, il y a des difficultés dans la musique. Parce que c'est vrai, il y a l'album qui est là-bas. En même temps, il y a un single qui est fendé. Il y a des difficultés dans la musique. Oui, tout. C'est bien ça. Ça, c'est des très bonnes nouvelles pour les abonnés, pour tes fans aussi. Et pour le site Guinée de Musique, nous, on aura peut-être l'occasion d'avoir les exclusivités sur tes productions-là. On l'espère, en tout cas. Non, pour le moment, on a préparé tout ça parce que nous, le fait, il n'y a pas de problème. Il y a relation avec les autres artistes, on a dit. Rapport Fangineira avec les autres artistes. Artiste, c'est bien ça. Parce que,
Je suis en place. Moi, je m'en fous. Super. C'est bien. C'est bien ça. Créer déjà un bon environnement dans le milieu, c'est très bon. Avec ces artistes aussi, c'est très important. Alors, attendez, on fait une émission, on a une déna, c'est juste vers la fin. Mon nom, on fait un déna qui a fallu mon nom, freestyle Fanny. Donc on a rabat après une émission clôturée. Il n'y a pas de problème. Émission qu'a mis en gueule. Émission c'est le projecteur. Tangle n'est Kekura. Kekura. Kekura quoi? Kamara ou bien? Kuruma. Yeah. Parce que ben il y a bon bateau le temps là. La série ça va, ça n'a même pas. Hey, fouille au baraté boule. Bila kuruman la kuruma ya duma kurati bala moma mole ida korola koko to funyo barata kurama na kanuni wala bunya pese pese alini mola ya kere ya yiliti silana alaye yibakina badanya silata wana doli tiritila weta mili rotiena hado ya mulumbuna ye Doi bolo bona mara ma fin doi bolo itbala mama mole ada korvola. Eh, iba menye ni muso kanuma. Ala ni journaliste nyuma leliko. Iba menye ni muso kanuma. Ala ni jetigi nyuma leliko. Iba menye ni muso kanuma. Ala ni fancy nyuma na rasono. Fisiri balika ni bani ala mandi. Si soye bula Non, on va gérer ça après l'émission là. Boulaye, journaliste Nyumalu, Alunike, Irene Bangura, merci. Mola Bangura, merci. Malaga Mustu, Samaleka. Je vais te donner quoi? T'as besoin de quoi? Je te donne quoi? Naranike, Nana Bambe. On va gérer ça après l'émission. Clip ou fafé, Iranara Dengi, Télémanjono, Iran Mopromo Rabat, Nabiri. Kobir no magire ne fande kobir mu no magire ne fande bira kolo journaliste no artiste nara sando ah fitir wal kanibani na mandi matolo aye ke bani to fanye lui c'est le boss il s'appelle Awal Awali kamina ame anu fini monera o sano kamera waraba il peut venir sur le plateau là il peut Awali salam alayka il peut venir il n'accepte jamais d'être affiché mais il pourra venir Tena Diawara, je suis plus que satisfait. Merci, c'était vraiment un plaisir pour moi. Guinée de musique, Irabanginara, c'est ta maison. Ici, c'est ta maison. Il n'y a pas le problème. Confirmé. Devant tout le monde, au vu et au su de tout ce qui nous suit à l'instant T sur, dans cette émission, le projecteur. Il n'y a pas de problème. Voilà, Mika. VIP, Nana B. Beta, Ndawadinara. Je suis VIP, Tana. C'est clair. C'est clair. C'est mon bébé, c'est mon choix. Omolo, mon nouveau. Mi firine, Nufaya. Ouais, pour jamais nous séparer entre Tenin Diawara et Guinée de musique. Donc c'est sur cette séance de freestyle là de notre griotte Tenin Diawara, artiste de la musique mandingue bien sûr, que nous allons nous quitter dans l'espoir de se retrouver très prochainement avec un nouveau visage encore de la musique guinéenne. Portez-vous bien et à la prochaine.